Alors, enfant de ce territoire, fonctionnaire d'État pendant près de 35 ans, je suis honoré par votre présence dans mon village natal, témoignage de votre amitié. Alors, je remercie Monsieur le maire de Mons pour la mise à disposition de cette salle polyvalente. À toutes et à tous, non seulement présents lors des bons moments, mais aussi lors des épreuves morales et physiques de ma vie. À toi, cher Gilles, car tu n'es pas seulement député-maire proche de la Grande Bleue, mais je te sais attaché au canton, et notamment au massif du Caroux. Bon, on t'appelle Gilles. Bon. Alors, monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller général, messieurs les maires, et cher Régis, hein, c'est ni le député ni le maire qui vient me parler ce soir, c'est un tout l'ami, parce que c'est vrai que c'est une carrière qui s'achève, mais la vie continue, hein, et donc on espère qu'on reviendra souvent te voir à Mons-la-Trivale, cette terre natale si belle et si chère à ton cœur. Merci à tous. Monsieur Seb, monsieur le député, monsieur le conseiller général, madame et messieurs les maires, mesdames et messieurs, donc, je suis venu ici vous rendre hommage, hein, parce que 35 ans, alors vous avez vu sa modestie, le député, là, on a parlé, l'humilité aussi, sa modestie, dit ouvrier d'État. Ouvrier d'État, c'est un joli nom, ça n'existe plus beaucoup, les ouvriers d'État, mais vous étiez un policier au service de la République, un policier au service de votre pays, et je pense que c'est une juste récompense que nous soyons là, devant vous, devant votre famille, vous les avez cités, devant votre papa, qui doit être fier de vous ce soir, fier de vous, parce qu'il a su faire, il a su vous aider à devenir l'homme que vous êtes, et l'homme que nous apprécions, que nous saluons, et à qui nous lui disons bon vent pour la suite qui sera bien occupée, si j'ai cru le comprendre. Voilà. Bonsoir. Non, simplement pour offrir une parure de stylo. Ça ne sera plus pour Maître et pour Severo, mais il y a longtemps qu'il n'en met plus. Hein, lorsqu'il était à Paris et qu'il languissait, comme on dit, de venir sur la côte. Hein. Alors on peut même dire que c'est écolo, puisque c'est à moi. À moi du pays, ça j'en doute. Voilà, merci. Bonne et longue et paisible retraite. Écoutez, effectivement, c'est un protocole. Mais après, je te remercie, Jean, et allez, bonne soirée à tous. Là, un jour est repassado, nous t'étions à terre pas arrivat, avions la cloche copelado, rin chin chin que tu la sentis, avions la cloche copelado, et la scouillus ratatinat, et la scouillus ratatinat, le dimanche à la maison, le pichounet qui a papa! Petite girouette.